Allez, donc re à tous, donc on va s'ouvrir l'une des deux box, donc celle qui vient, celle-là. Donc avec le trait. D'ailleurs je vais la présenter un peu. Ici donc on a l'évolution de Chakripan, Léopardus, voilà. J'ai cherché. On a Tortipus. Là on a écrit Plasmagate avec BW, voilà. Ici on a Dauphan ou Dauphan comme vous voulez, Motisma qui est dedans. Et là Lugia, voilà comme ça. Enfin l'ombre de Lugia si je puis dire. Enfin voilà. Enfin, vous comprenez quoi. Là on voit Lugia, là on voit le bateau. Le fameux bateau dans noir 2 et blanc 2. Et là on a ce truc. Donc on va se l'ouvrir. Hop, donc dans cette édition nous avons 12 holos. J'ai compté, j'en ai vérifié. Enfin j'ai vérifié, il y en a bien 12. Ouais, c'est un peu coriace à les faire. Donc je disais. Ouf. Non c'est bon. 12 holos 4X avec les mêmes versions en full art qui sont Colbatium. Il y a Articudin, Lugia évidemment. Et Vitini. Voilà. On a aussi deux trainers full art, voilà, et on a aussi trois shiny, donc voilà, donc on va bien voir ce qu'on attend. Alors, je sais pas si je peux bien, comment on peut bien l'ouvrir, comment on fait, c'est la première fois que j'ouvre des boosters en fait japonais, donc je ne sais pas comment on s'y prend, voilà, comme ça, ça on défait là, allez, voilà, voilà. Désolé si je suis un peu lent, mais c'est la première fois que j'en ouvre, donc je vais évoluer. Attendez, comme ça, voilà. Attendez. Hop, voilà. La box, on va la mettre là, ça on va l'ouvrir bien. Et donc, on a, allez, hop, voilà, 20 boosters Plasma Gale. Voilà. Ah, ils sont assez très classe quand on met comme ça. On voit du sort de violet, c'est vraiment très classe. Donc, je vais tous les ouvrir, hein, même le premier où généralement il n'y a pas trop, il n'y a pas grand chose généralement, mais on ne sait jamais. J'en ai déjà vu dans des boosters, ils ont ouvert le premier, ils sont tombés sur du lourd. Donc voilà. Donc c'est parti. Comment je vais faire pour bien l'ouvrir? Je ne sais pas trop comment ça marche. Bon, on va essayer comme ça, voilà. Ouais, je sais pas. Sincèrement, je sais pas comment ça marche. L'ouvrir à l'envers, non, je sais pas. Attendez. Voilà, on va l'ouvrir comme ça par le fond. Voilà. Voilà. Donc, hop. On a ça là. Alors, généralement, il y a une technique à faire avec le carte japonaise, sachant que la rare est là. Là, je le ferai pas vu que c'est mon tout premier booster japonais que j'ouvre de toute ma vie. Donc, je ferai pas la combine. Donc, alors, on va mettre ça comme ça. Donc, Nenupio. Attendez, peut-être comme ça. Voilà, Nenupio. On va faire, attendez, plutôt comme ça. Nenupio. Neitram. C'est quoi ça? C'est Dodrio. Wow, Polagriffe en rare. Et Boscara. Et elles sont assez lisses, les cartes. Hein. C'est vraiment sympa quand vous les touchez, elles sont lisses. Donc, deuxième booster. Donc, bon, comme je m'y attendais, premier pas terrible. Mais bon. J'aurais forcément des IX, hein, ça c'est sûr. J'en aurais au moins 3, peut-être, ou peut-être 2, si j'ai des full art à la place. Donc attendez, je vais un peu m'arranger, je vais mettre ça comme ça. Comme ça. Voilà. Donc là le truc change, là, il parle du deck. Voilà. Donc on va faire la combine, la rare là, hop, on passe. D'ailleurs j'ai senti qu'elle était lisse. Je sais pas si c'est juste une impression. Là, il y a quelque chose derrière. Je vois quelque chose perso. Donc chaque ripant. Oui c'est ça, attendez, on va mettre comme ça, Tortipus, je sais plus, Fermite je crois, oui une bonne carte, Trainer et, waouh, ah, elle est très belle, Victini, EX, je sais pas comment vous expliquer mais elle brille vachement, et en plus quand vous touchez, elles sont vachement belles, Victini, EX, ma toute première EX, voilà, on va la mettre ici, allez, troisième booster, on s'active, cette fois-là je vais accélérer. Elle est vachement belle. Ah, attendez, je vais essayer de craquer là. Allez. Voilà, ça craque. Ouais. Ouais, je l'ai craqué. Et c'est vraiment mal ouvert celui-là. Mais bon, les boosters japonais, c'est pas connu pour s'ouvrir extrêmement facilement. J'ai pu le constater. Hop, hop, hop. Je sais pas si c'est quelque chose. Donc, Dodrio.
Starsal. Allez, on se dépêche. Désolé, comme ça, plutôt, vous voyez voir là. Polarume, Flamanor, je crois. Et une traîneur en rare, je crois. Ouais. Bon, on va mettre. Attendez, on va mettre ça. Enfin, on va tout mettre en fait au même niveau, voilà. Encore un booster, allez, on y va. Voilà. Donc j'ai mes chances d'avoir un Shiny, ça va être très dur, mais j'ai un peu plus d'une chance sur deux, hein, genre 60%. Et j'ai de fortes chances d'avoir une Full Art, hein, mais on va bien voir. Allez, ouh, il y a l'air d'avoir quelque chose, peut-être une holo, je sais pas. Donc, Léopardus de Team... Ah oui, quelque chose que j'avais pas dit, les Team Plasma, le rebord est bleu. Même les holos, on verra que ça fait une sorte de bleu brillant, c'est assez stylé. Attentif, c'est quoi ça? J'adore quand je dis ça. Je sais plus. Flamme à joue. Et non. Où il y a quelque chose. Je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose derrière. Paul à griffe et. Oh putain la vache. Waouh. Articodin EX Full Art. Pour vous faire une idée, j'en suis à mon quatrième booster et je les ai pas mélangés. Quatrième booster. Oh la vache, elle est belle. Waouh. Super. Waouh. Ah bah putain, Yon. Elle est belle. Bon bah j'aurais pas de shiny dans cette box là, j'aurais peut-être encore une petite EX. Selon on est au début de la boîte, j'ai mes chances. Oh la vache. Eh bah yon. Articodin EX, elle est vachement belle. Hop. Donc attendez, je vais vous la remontrer un peu. Voilà, Articodin EX. Full art. Elle est assez rare quand même. Hein. Deux fois plus rare que les EX normales. Trois fois plus, je sais pas, mais ouais, on va dire des fois plus. J'ai toujours pas eu d'holo d'ailleurs, tiens. J'ai eu les yek, mais j'ai pas eu d'holo. Apparemment, non. Elle est magnétique, on va passer là. Miradar, Polarum, Nostanfer et le bateau. Allez. Ouais. Il est coriace, le rayon. Pouf. Attendez, donc peut-être comme ça déjà avant. Hein, hop, hop. Hop. Alors, nous avons Marakashi, on a. Truc, je sais plus. Des MIS Max, voilà. Ratentif, Entraîneur. Et Mélodelph. On a combien de boosters? Attendez, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore 4, allez. C'est parti. Alors, tac. Ah, ouh, il y a quelque chose. Oh, ça m'a l'air d'être Lugia. Regardez, ici. Oh, il y a encore une EX. On n'a toujours pas eu de l'eau. Et vous rendez compte, j'ai toujours pas eu de l'eau. Et il y a une autre EX. Et bah, Yon. C'est ouf. Fampi. Smogo, on va se dépêcher. Bagaide. Allez. Kyria et. Waouh. Articodin EX. Oh, c'est génial, c'est magnifique. Alors attendez, je te pose là. Voilà. Hop. Oh, c'est génial. En une box, j'ai déjà eu la moitié des EX. Génial. Elle est vachement belle. Hein. Elle est très, très, très belle. Oula. Elle est aussi très souple, je vais pas l'abîmer. Voilà. Donc, on va la mettre tiens, bah, à côté de l'articodin. Encore un, allez. Donc là, c'est 7 boosters, je crois, je sais plus. Je vais me dépêcher, on est presque à 10 minutes, on s'est navré. Hop. C'est une très bonne ouverture. Hein. Là, je pense que j'aurais plus d'EX, hein, du coup. Mais je vais essayer de choper des holos. Hein, parce que oui, là, j'ai toujours pas eu. Attendez, je vais m'organiser, voilà. J'ai toujours pas eu d'holos, hein, pour info. Et j'ai eu les 3 EX dès le début en fait, hein, ça c'est hallucinant. Non. Ah, oh, il y a une holo. Il y a vraiment de la Team Plasma, mais comment ça brille. Nenupio, Togepi, je sais plus, Trainer, et ça y est, première holo Nostanfer de Team Plasma, avec, vous voyez, les bords un peu bleutés. C'est vraiment classe. Hop, donc, je vais compter le nombre de boosters. On en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore, alors je vais sortir encore deux, voilà.
Encore deux, et le parti ira plus vite. Hop, 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 hop. Ça m'étonnerait que j'ai d'autres IEX, hein, avec deux IEX et une IEX Fleur François. Donc Motisma, je sais plus, truc, Chacripan, Tarsal, Torteratiplasma et un Flamoutan. Dernier booster de la partie. Hop. Donc là, en gros, j'ai une lumière pour le début. Hein. C'est un peu drôle, j'ai envie de dire. Ou pas. Il y a peut-être... Oh, il y a une holo. Tiens, bah, pour finir, on a une holo. Donc, on a deux Drio. On a, je sais plus, Bagaide, Seriflore. Oh, génial, il est trop beau, Manaphy. Ah, je le voulais, celui-là. Avec Giracinas et Simabras, c'est les trois romans que je grave. Oh, génial. Donc, on va s'arrêter sur là. Donc, récap. Pour l'instant, on a eu Nostanfer et Manaphy. Seulement deux holos, ça fait peu. Mais il faut dire aussi qu'on a eu sûrement les seuls IEX qu'on a dans la box. Du coup, Articuno et Victini déjà. Et en plus, Articuno IEX Full Art. Alors, donc, à plus pour la deuxième partie.